bloc, dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic tac tou, tic galop, tic galop, tic péco sur le museau. Appétit petit peton, appétit peton. Saute, saute, boing, boing, t'es de joli bon. Arc, ça pue! J'ai mal au cœur! Bon, calmez-vous, mes cocos! C'est fini maintenant! Hein? Oh, un instant, Zozo, je dois vraiment me laver les mains comme il faut! Cornemuse, pourquoi il a vomi? Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, il a peut-être mangé quelque chose qui digère mal! Oh. Oui, mon Zozo, tu voulais me dire quelque chose? Oh, mon petit velours est arrivé! Oh, je te dis qu'il y a de l'action ici aujourd'hui. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Bébert a vomi. Oh. Moi, j'aime pas ça vomir, ça me donne mal au cœur. Moi aussi. Moi, une fois, j'ai vomi parce que j'étais malade. Moi aussi, une fois, j'ai vomi. Mais c'est parce que j'avais mangé trop. Et puis, j'avais beaucoup mal au ventre, puis j'ai vomi. Wesh! Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et c'était vraiment... Merc! Cornemuse, on dirait qu'il va encore vomir! Oh. Oh non, il est correct. Bon, écoutez, mes cocos, j'adore quand vous venez me rendre visite, mais vraiment, j'ai besoin d'être seule pour faire mon travail, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais faire des examens pour essayer de trouver ce qui rend Bébert malade. Mais moi, je peux rester avec toi à Cornemuse parce que toi, tu me gardes. C'est vrai, ma belle ratonne, je te garde. Mais j'aimerais mieux que tu ailles jouer un petit peu avec les amis. Le temps pour moi d'examiner Bébert. Je vais vous appeler dès que j'ai terminé, d'accord? D'accord. On va jouer dehors. Ah oui, tiens, Cornemuse. Merci. Cornemuse, est-ce que c'est l'heure de prendre mon sirop maintenant? Je ne crois pas. Ta maman m'a dit de te donner ton antibiotique à l'heure... Oh oui, je sais! À l'heure de l'orignal, c'est ça qu'elle a dit, ma mère. Oui. Moi, je vais revenir quand la petite aiguille va être sur l'orignal. C'est ça. À l'heure de l'orignal, alors. Bye, Cornemuse. Bye, ma belle chouette. Bon, mon petit bébé, j'aimerais bien trouver ce qui te rend malade. Qu'est-ce que tu as dans ton bedon? Chère cousine. Oh, plus de mine. Quelle belle invention. Tu vois cet objet? À l'intérieur, il y a plusieurs mines comme celle-ci. Et quand une mine est usée, je tourne pour faire apparaître une nouvelle mine. C'est extraordinaire, hein? Et tu sais comment s'appelle cet objet? Un porte-mine. Porte-mine. Un objet qui porte des mines. Porte-mine. Je l'ai pris dans mon porte-crayon. Porte-mine? Porte-crayon? Tu as remarqué? Ce sont deux mots qui se ressemblent. Dans le porte-mine, il y a des mines et dans le porte-crayon, il y a des... crayons. Dans le porte-crayon, il y a des porte-mines et des porte-plumes. Ce bel objet s'appelle un porte-plume. Tu vois ce petit bout pointu? C'est la plume. Et ceci, ce qui porte la plume, c'est le porte-plume. Un porte-plume, un porte-mine dans le porte-crayon. Et ça, mon ami, ça, c'est un porte-bonheur. Tu la reconnais? C'est Tibranche,
cette petite branche que Grammy a sculptée tendrement pour son petit Tibor. Il y a tout plein d'amour là-dedans. Et de bonheur. Tibranche, c'est un porte-bonheur. Des restaurants. Si je suis pris dans la rue, je peux venir une caserne de pompiers. Je peux arrêter quelqu'un que je connais ou un policier. Qui aille me reconduire à ma maison. Un facteur. Ben, mettons que t'es loin de ta maison. Tu ouais. Peux demander un policier. On appelle le 911. 911. Ben, il connaît son numéro, là. Il pourrait téléphoner à ses parents. Reculez un peu, les enfants. Il faut lui laisser un peu d'air. Ça va mieux, mon tigron? Je ne comprends pas. Tu allais pourtant mieux. Tu n'as pas fait de crise depuis longtemps. Il est arrivé quelque chose, hein? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, il est rien arrivé. On jouait à l'attaque piquée. Puis là, moi, j'avais apporté une valise pour Tibor parce qu'il s'en va en voyage. Ouais, mais la valise, elle est pleine de poussière. C'est pour ça que Tibor, il tousse. Oui, c'est vrai que la poussière, ce n'est pas très bon pour Tibor, mais avec son médicament, il ne devrait pas réagir aussi mal. Tibor, quand tu étais chez Grammy, tu as fait ton traitement comme à la maison? Tibor? Une crise. Comment ça se fait? J'en faisais plus de l'asthme. C'était parti. Moi, je pensais que j'en avais plus besoin des médicaments. Je pensais que j'étais guérie. Je pensais que ça reviendrait plus jamais. Moi, j'aime pas ça faire mon traitement tous les jours. Et je l'ai pas fait chez Grammy. Mais c'était pas une bonne idée. Tibor, tu as fait ton traitement chez Grammy? Non. Mais... Je voulais plus le faire, papa. Mais c'est très important. Tu dois le faire à tous les jours. Je le sais. Mais je pensais que peut-être...
Je pensais que j'en faisais plus de l'asthme. Je me sentais bien, moi. Mais tu en fais encore? Oui, j'en fais encore. Je le sais. Thibaut, mon fils, je comprends que c'est difficile. Je comprends que tu n'as pas toujours envie de faire ton traitement. Mais tu ne peux pas décider de l'arrêter quand tu veux. Un petit tigre ne peut pas décider ça tout seul. C'est une décision très, 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 très importante, tu sais. Même moi, Tigron, ton papa qui connaît plein de choses, je ne prendrai pas cette décision sans consulter le médecin. Non, parce que toi, là, monsieur Vindaloo, là, tu connais pas toutes les choses. Et non, mais je sais une chose, mon Tigron. C'est que si tu veux te sentir bien, tu dois faire ton traitement et tu dois le faire à tous les jours, comme tu le faisais avant. Papa, est-ce que tu crois qu'un jour je vais être guérie? Je l'espère, mon Tigron. Je l'espère de tout mon cœur. Ben moi, j'ai le rhume. Et puis le médecin, il a dit qu'il faut absolument que je prenne mes médicaments. Mon médicament antibiotique. Ouais, parce que moi, là, j'ai une otite dans les oreilles et puis une infection dans la gorge. Moi aussi, j'ai eu le rhume, mais maintenant, c'est parti pour... Ah, peut-être que tu l'as donné à Rafi. Non. Hein? Tibor me l'a donné à moi. Et moi, je l'ai donné à Rafi et à ma soeur Noisette. Ah, mais maintenant, moi, je suis guérie. Monsieur Vindaloo? Oui, Rafi. Est-ce que ça s'attrape, l'asthme? L'asthme? Non, Rafi, tu ne peux pas attraper l'asthme. Oh. Ah! C'est l'heure de me réveiller! C'est l'heure de prendre mon médicament! Cournemis! Il faut que je prenne mon sirop! Allergique à mon chat parce que lui il fait de l'asthme. C'est une maladie qu'on peut être très beaucoup malade des fois parce que ça peut rester très beaucoup de jours. Ça donne de la misère à respirer à mon frère. Il doit prendre sa pompe pour être plus guéri. Il y a une bonbonne dedans petite, puis le bout c'est jaune. Puis là tu pèses dessus, puis là ça fait sortir de la boucane qui a plein de vitamines dedans. Il faut que tu pèses ici. Il faut qu'on jette ça dans notre bouche. Ça l'aide à calmer son asthme. Il n'aime pas ça parce qu'il trouve ça que c'est plate. Parce qu'il ne peut pas s'approcher de mon chat. Mon chien, il peut. Ah oui, j'ai mis des beaux chapeaux. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Cornemuse? Je dois examiner des radiographies. Des radiographies. On dirait bien qu'il y a ton nom dans ce mot-là. Oui, radiographie. Mais c'est radiographie. Graphie. Cornemuse, c'est l'autre nom de Tibor, ça. Tiens, mais c'est bien vrai, ça. Comme c'est amusant. Radiographie. Et les trois mots ensemble, ça fait radiographie. Qu'est-ce que c'est une radiographie? Une radiographie, c'est une photo qui permet de voir à l'intérieur du corps. Ah, à l'intérieur? Mais comment on fait pour prendre une photo à l'intérieur? Oh, ma grande future vétérinaire qui veut tout savoir, même les choses compliquées. Si on peut voir à l'intérieur du corps, c'est grâce au rayon X, docteur Mascotte. Wow. Le rayon X. Le rayon X, c'est un rayon qui voit à travers la peau. Wow. Cornemuse, ça veut dire que si moi j'avais un petit rayon X, je pourrais voir tout ce qu'il y a dedans ton corps. Bien là, peut-être pas tout, mais tu pourrais voir mes os, par exemple. Tiens, viens voir, je vais te montrer. Tu vois, ça, c'est la radiographie d'un chat. Oh. Il est couché. Et ici, il y a tous les petits os.
Oh oui, ils sont tout petits, tout collés. Ah, regarde. Ben, c'est sa colonne vertébrale. Wow. C'est son dos. Mmh. Et tu vois ici, ce sont ses côtes. Oh, oui. Mmh. Et maintenant, je dois examiner la radiographie de l'estomac de Bébert. Te souviens-tu? C'est le chien qui a vomi tout à l'heure. Sur la radiographie, je vais voir à l'intérieur de son bedon, de son estomac. Je découvrirai peut-être ce qui l'a fait vomir. Viens. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô, Derek, on va prendre une radiographie de ta main aujourd'hui. OK? T'as pas besoin d'avoir peur, ça fait pas mal. C'est juste des petites photos. Tu tournes juste un petit peu. Parfait. C'est terminé. Ça, c'est les radiographies de ta main. On va comparer, là. On voit ton pouce ici, tous tes doigts ici. Ça, c'est la radiographie du poumon de Jenica. Regarde. C'est tes petites clavicules qu'on voit ici. Regarde. Là, c'est les radiographies de la tête. Là, c'était tes yeux, tes orbites. T'as ton nez, ici. Là, t'as tes dents. Mais ils sont cachés, tes dents d'adulte. T'es vois pas, puis t'as tes dents d'enfant, ici. Mais ceux-là vont tous tomber, puis vont rester, tes dents d'adulte vont pousser. Je comprends, papa. Je vais toujours le faire, mon traitement, maintenant, même quand je serai en vacances. Parce que moi, je veux me sentir bien. Voilà qui fait de moi un papa content, mon petit cœur. Parce que, tu sais, mon corps, j'en prends bien soin. J'en ai seulement un et j'en ai bien besoin. Ma tête, j'en prends bien soin. J'en ai seulement une et j'en ai bien besoin. Je lui mets un chapeau quand il fait trop chaud, pour ne pas qu'elle cuise comme un petit coco. Mon nez, j'en prends bien soin. J'en ai seulement un et j'en ai bien besoin. Je marche bien droit, je regarde devant moi. Je peux passer sur les crates et contre un mur. Mes pieds, j'en prends bien soin. J'en ai seulement deux et j'en ai bien besoin. Je leur mets des chaussures, je les choisis bien dures, au cas où une bouteille tomberait sur mes orteils. Mes gants, j'en prends bien soin. Des dents, j'en ai plein et j'en ai bien besoin. Jamais je ne les brosse avec la mélasse. Jamais je ne croque. Mon corps, j'en prends bien soin. J'en ai seulement un et j'en ai bien. J'en ai bien, bien. Et j'en ai bien besoin. Moi, je suis pas fatiguée. Mais Cornemuse, elle a dit qu'il faut se reposer parce qu'on est trop excité, ben. Puis moi, j'ai le rhume. Mais moi, je suis pas fatiguée. Je suis même plus excitée. Allô, Zozo. Regardez, Zozo. Zozo, qu'est-ce que tu fais sur mon ventre? Ben, il se repose, lui aussi. Regarde, Rafi. Zozo, il descend. Et il monte. Il descend. Et il monte. Oui. On dirait qu'il est dans un bateau. Puis là, une grosse vague arrive. Puis elle s'en va. Une autre vague revient. Il est en bas. Psst. Zozo, il aime pas ça en bateau. Il a le mal de mer. Moi, je le sais pourquoi le bouton de Kunga, il devient gros comme ça. C'est parce que dedans, il y a de l'air. Comme dans un ballon. Ouais. Et pour ça, il faut respirer par le nez.
Oui, et ensuite, l'air là, l'air, il s'en vient ici. Et puis, ici. Ici, là. Ça, c'est les poumons. C'est mon papa qui me l'a dit. Et quand il y a plein d'air dans les poumons, quand ils ont rempli d'air, et là, ton bouton, il devient gros. Comme ça. Ah, oui, je le sens avec ma main. Je peux gonfler mon bedon avec de l'air comme un ballon. Moi, quand j'avais une grande vétérinaire, vous savez pourquoi? J'avais à voir le rayon X. Et je vais pouvoir regarder dedans ton bedon. Parce qu'avec le rayon X, on voit dedans le corps. Tu veux nous montrer quelque chose, cornemuse? Oui. J'ai trouvé ce qui rendait Bébert malade. Venez voir. Ça, c'est le ventre de Bébert. C'est dedans son ventre. Oui, on voit à travers la peau parce que savez-vous quoi? Il a eu le rayon X. Il y a de drôles de choses dans le ventre d'un chien. Mais ça, c'est quoi ça? On dirait... Tu sais, cornemuse, c'est pour attacher les feuilles. Un trombone? Oui, c'est ça! On dirait un trombone! Eh bien, c'est parce que c'est un trombone. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, dans son ventre? C'est pour ça qu'il est malade? Mais c'est sûr! Il faut pas manger ça! Tu as raison, Rafi. Mais il arrive que les chiens avalent des choses pas ordinaires. Mais l'autre jour, ma sœur Noisette, elle a mis une chose pas ordinaire dans sa bouche. C'était un petit bloc. Mais Liane, elle l'a tout de suite enlevé. Heureusement, ça peut être très dangereux d'avaler des choses qui ne sont pas des aliments. Comme un trombone, c'est dangereux, hein? Comment tu vas faire pour le sortir, cornemuse? Eh bien, quand un animal avale un objet comme celui-là, il faut parfois faire une opération pour le retirer. Tu vas faire une opération? Non, ce ne sera pas nécessaire. Bébert a été très chanceux. Regardez. Ça, c'est une radiographie que je viens tout juste de prendre. Le trombone, il est plus là. Comment ça se fait? Il est sorti, tout seul. Par sa bouche? Non. Ben, pas par la bouche. Quand Bébert a fait ses besoins, eh bien, il est sorti avec le reste. Ses besoins? Avec le reste? Dans son caca? Mais pauvre Bébert, ça n'a pas été drôle pour lui. Il a quand même fait mal un petit peu quand c'est passé. Oh, Bébert. Cornemuse, est-ce qu'on peut le voir? Oh, mais bien sûr, venez, regardez. Bébert. Oh, il va beaucoup mieux maintenant. Il a été très chanceux, hein. Si le trombone n'était pas sorti naturellement, il aurait fallu l'opérer. Et ça, c'est pas drôle du tout. Bébert, là, il faut plus manger les trombones, d'accord? C'est pour rattacher les feuilles, pas pour manger. Il faut manger de la nourriture, pas des choses de n'importe quoi. Il faut prendre bien soin de ton corps, Bébert, parce que t'en as seulement un et t'en as bien besoin. Oh oui. C'est déjà l'heure de se quitter, mon cœur. Tu sais quoi? J'ai envie de t'envoyer un baiser spécial aujourd'hui. Un baiser pour quand tu ne vas pas bien. Un baiser pour quand tu es malade et que tu n'as pas envie de prendre ton médicament ou de suivre ton traitement, comme Tibor tout à l'heure. Ou d'aller voir le médecin et de passer des examens. Aujourd'hui, mon bel amour, je t'envoie un baiser pour te donner du courage. Attrape-le et garde-le longtemps, ce baiser. Il est juste pour toi. Attrape.